Et bonjour à tous, on se retrouve sur Red Dead Redemption. Me. Et Oh, voilà, la you're dernière back fois on était already. mort suite à l'assassinat après une attaque de renard, de jaguar, de puma, peut-être. J'ai pas eu le temps de voir. Je me suis fait avoir par une cinématique. Je ne pouvais pas bouger pendant que je me faisais attaquer. Donc on va essayer de revenir. Là on peut. Prendre le fusil du financier. Salopio. Oh la vache! Là, je me suis fait déchiqueter. Bon, recommencer au même endroit. Je vais essayer de pas me faire battre par le nounours en plus. Allez, on recommence. On va y arriver. Fusil semi-automatique, c'est bien ça. Il fait en quoi le lapin? De lapin. C'est une annonce quand même. On l'a eu. Faut pas faire ça dans la vraie vie. Il m'a rien fait le nounours. Hein. Bon, il m'a tué une fois. Non, mais c'est une petite vengeance perso. Mais c'est gentil. Une nounours. T'es du grizzly. Faut que je récupère des composants parce que sinon je vais pas arriver à faire toutes les missions que je. Ok, donc là on va remonter. Le mouton, le mouflon. C'est pas du mouton, c'est du mouflon. Ok. Voilà. Il était là. Mange ça, le chaton.
Viande de couillard. Là, on fait mimi sur la falaise, hein, quand même. Après, je ne sais pas ce qu'il y a qui nous attend. Allez, mais tu es. Allez, 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 encore un petit effort, je suis sûr. On est plus très loin. J'ai besoin des plumes pour le monsieur pour qu'il vole. Ah! Elle est tout haut. Il y a le nain indien. Sans vous faire repérer. C'est de repérer Dutch. Il ressemble à quoi Dutch? Ah oui, ça aide pas. Un peu assommé là, ils ont pris les jumelles dans le nez. Je vais mourir encore. Mr. Marston. Monsieur Marston. Mr. Marston. Monsieur Marston. Mr. Marston. Oui, non, on a compris. Tenez, monsieur Marston. Mr. Marston. Regardez votre saloperie! Vous êtes cogné la tête! Nasta et moi vous avons transporté ici. Enfin, Nasta a entendu des coups de feu, alors il a filé à votre secours. Et il vous a porté jusqu'ici. J'ai improvisé une tactique de fuite. Je suis plus un planificateur qu'un homme d'action. Merci, messieurs. Certains de mes amis sont avec Vanderling. Nous devons essayer de les raisonner. Les hommes indigènes sont dans la bande de Vanderling. Nous devons les rencontrer et tenter de les sauver de ces désastres. Mon peuple a déjà enduré bien des désastres. Autrefois, toutes ces terres nous appartenaient. Mais nous vous avons offert la civilisation. Ça n'a pas été facile, bien sûr. Mais ça n'a pas été facile pour personne. Je connaissais un homme à Yale, dont le père a un jour abattu 18 indigènes en un après-midi dans le Wyoming. Elle a pas mal traumatisé, pauvre chou. C'est mieux accouché avec des enfants de cœur. Un intellectuel, mais sacrément stupide, monsieur. Monsieur, je vous laisse discuter tout ça entre vous. Vous êtes un simple esprit, je vous en doute pas de ne pas comprendre. D'un autre côté. Elle est sauvage. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Le cinéma. Et du poker. C'est pas tout, mais moi je veux savoir ce que je peux faire. Tiens, un trigo américain. Autant. Come here a minute, will you?
Alors, bonjour, monsieur. Vous avez l'air d'un homme capable de faire un travail honnête pour un salaire honnête. Vous pensez aux apparences. Excellent. Dans ma profession, l'honnêteté est le pire des principes. Je suis employé par notre respecté gouverneur Nat Jones. Exacte. Écoutez, un certain individu s'amuse à faire courir d'horribles rumeurs au sujet de M. Jones. C'est vrai que vous mettiez un terme à ces commérages ridicules. C'est dans mes corps la constitution d'y mettre le prix. Il se trouve que cet individu a le malheur de se photographier en compagnie pas recommandable. Avec une prostituée en d'autres termes. Montrez-lui ces photographies. Quand vous aurez terminé avec lui, revenez me voir et je vous rémunérerai comme il se doit. Vous rendez un grand service à notre état, mon ami. Bien sûr. Vous êtes fier de vous. C'est ça. Je vais te croire. Adversaire politique, il est où? Il est là. On est entre 7h et 6h du matin. Je vais attendre toute la nuit. T'es. Bon, on reviendra. I'll be back. Je reviendrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le coin? Là-bas. Et la femme maltraitée. Si on peut lui donner un petit coup de main. Viens ici mon pépère. Viens là mon chien. Mon pépère. Allez hop. Ça va bien avec une caméra qui vient pas folle. C'est tranquille, j'ai oublié. Oui. Mademoiselle, bonjour. Excusez-moi, miss. Vous avez un problème? Il a l'air d'avoir un problème? Ben oui. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ressent une femme couverte de déshonneur. Sujette au commérage et au grimace de dégoût jour après jour. Ça, c'est aux oreilles, hein. Les gens sont parfois cruels, c'est sûr. Je m'appelle Clara. Je travaillais comme nourrice pour une famille de Blackwater. Mon père était toujours si charmant avec moi et comme une seule, je l'ai laissé me séduire. Madame Thornton, sa femme, m'a jeté dehors dès que j'ai commencé à grossir. Comme M. Thornton s'est mis à boire. Pas un adieu, ni même un seul dollar, j'ai plus rien. Ils vont sûrement prendre mon bébé. Vous pourriez peut-être convaincre ce débauché de me donner quelques dollars pour que mon bébé puisse avoir un foyer. Vous serez infiniment reconnaissante. Je vais voir ce que je peux faire. Pas une bonne position pour le bébé, c'est. Trouver Harold à Blackwater de l'argent pour Clara. C'est fait, on a trouvé du pognon. Oh zut. Et passe ici, toi. Hop, hop.
a deux normalement. C'est ici qu'il doit faire. On va aller voir ici, certainement, avec la top de poker. Non, non, je veux pas jouer au poker. Excuse-moi, vous connaissez une certaine Clara? Clara, c'est une serveuse? Non, c'était une domestique. Mais aucune seule domestique, Sarah, une petite à la peau sombre. Mais il est parti rejoindre son peuple au nord. Ouais, je parle de celle qui s'est pète aux enfants. Avec elle, vous avez une certaine relation. Écoutez, l'ami, je ne sais pas de quoi vous essayez de m'accuser. Je suis là pour jouer tranquillement. Pas pour écouter un étranger, mais quel ami. Je comprends que vous voulez garder ça secret. Ce que je vous demande, c'est une poignée de dollars pour qu'elle puisse donner un toit à son enfant. Vous perdez la tête ou vous êtes simplement un criminel de bas étage? Vous avez un sacré culot. Vous pouvez pouvoir me faire chanter et m'insulter avec ces mensonges? Réglons ça d'ailleurs. Si tu veux. Je vais mettre devant le salon. Alors. Hop, hop. Là, il est là. Ok. Oui. Aucune chance. Tu as battu un roi dans le folie pour savoir de l'argent que vous pourrez donner à Clara. Excuse-moi, mister. Allez voir Clara avec l'argent. Look out, mister. Clara, elle était où? Je ne sais plus. Donc Clara, elle est là-bas. Elle est loin. Tourner par là. Allez, j'en veux, qu'est-ce que t'attends? Hey Clara. Hello, mister. Bonjour, monsieur. Got you some money. Oh, rapporte un peu d'argent. C'est si aimable à vous, vraiment. Very kind. And how's Harold? Harold, comment va moi, Harold? Didn't go so pas très bien. I'm afraid he's dead. Pas qu'il soit mort. Dead? Malheureusement. I must go to his grave. Vous allez me sa tombe. Afraid I don't know where that is. Désolé, où se trouve. Soit sûrement enterré au cimetière près de sa famille. Si je me tais, j'arrive peut-être à temps pour les funérailles. Mais voilà, ton daron de cimetière dans quelques jours. Oui, ma cocotte. On va aller.
à la sauvegarde. Let's go. Oh, je t'ai dit de tourner, andouille. Tes occupations, toi. C'est là, peut-être? Non, pas mal. Ah, faut que j'aide quelqu'un, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Oh. Viens de me voler mon cheval, rattrapez-le. Et arrêtez-le. On va les emballer là, hein? Pourquoi il s'est la lâché? Voilà. Ramène à son propriétaire. Ouais, pépère! Je vous remercie, oui, je vous remercie. Une petite réputation sympa? C'est la réputation, moi, qui m'importe. Et tu m'en donnes toi? Ah, si, vivante. J'aime bien. Bon, pépère! Fous-toi de moi, punaise! On dit, fous devant la porte. Hein. Mistake.
Voilà. Oh, un coffre. Et on sauvegarde la partie. Voilà. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra la prochaine fois pour aller voir McDouglas, McDonald's là, ou McBurger là, ce qu'il veut et comment aider l'Indien. Comment arrêter Vanderlinde. En tout cas, merci d'avoir suivi. On se retrouve très très bientôt. N'oubliez pas de mettre le petit like sur la vidéo. Et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.